Salut Brut, c'est François Gabart à bord du Trimaran Massif. On est dans une démarche sur nos bateaux à voile où on essaye d'avoir un impact le plus faible possible. Ce qui est déjà pas trop mal, hein, parce que mine de rien, on arrive à tourner autour de la planète juste en servant du vent. Mais faut qu'on aille encore un peu plus loin. On essaye de faire de la course large, qu'on essaye d'aller le plus vite possible. Faut être léger. Pour être léger, bah, on essaye d'amener le moins de gasoil à bord du bateau pour produire notre énergie. Donc toutes les solutions qu'on trouve, les panneaux solaires qui sont là au-dessus, plus on arrive à trouver des énergies renouvelables, plus sur les courses longues, on est plus rapide. Bon, bah là, donc on est sur la coque centrale du Trimaran Massif. Ça, c'est le flotteur. Et on voit en fait que on vole au-dessus de l'eau. Donc ce qu'on appelle le foil, c'est l'appendice blanc. Comme une aile d'avion, elle vient s'appuyer sur l'eau. Avec la vitesse, ça fait monter le bateau. Et là, on est un peu en apesanteur au-dessus de l'eau. Tout ce qui est nourriture, ravitaillement, les vêtements, quelque part, on est assez minimaliste de base parce qu'on fait de la compétition. Et on est vraiment dans une démarche à essayer d'optimiser ça pour, en plus de ne prendre que ce qui est important, essayer de diminuer complètement nos usages de plastique à usage unique. Guénolé Gainé, donc mon coéquipier sur la course Brest Atlantique, il est très branché low-tech et c'est super parce qu'il nous a fait vachement progresser sur le sujet. L'habitude qu'on a, c'est quand même d'avoir beaucoup d'emballage parce qu'on emballe les produits quasiment en toutes petites portions pour que ce soit facile à manger, rapide et que ça soit préservé de l'eau de mer et de l'humidité ambiante. Donc ça, on va essayer d'avoir des bidons avec, par exemple, des bidons de pâtes, de riz. On essaye de gagner à la fois sur le côté écologie, limiter le poids puisqu'on aura moins d'emballage. Et on va essayer de faire des efforts sur notre mode de vie, donc réduire nos déchets. On va essayer de manger végétarien, cultiver des graines germées, des champignons. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et on va expérimenter pas mal de petites solutions comme ça pendant la course. Voilà, on ne prétend pas être parfait, mais on essaye de progresser et d'aller dans le bon sens.